rappelle, toute la politique de l'État du Sénégal est adossée au PSE. Le développement du capital humain reste une priorité pour l'État du Sénégal. C'est ce qu'a compris la société Pétrole Mining Company, PMC, en accompagnant le secteur éducation, creuser du savoir, du savoir-faire et du savoir-être, lieu privilégié de formation du nouveau type de Sénégalais. Pétrole Mining Company est à côté de l'État, à côté des collectivités locales, elle est à côté, n'est-ce pas, des communautés pour accompagner l'éducation. L'éducation dans la région, l'éducation dans le département, l'éducation dans la commune de Tomboronkoto. Extrêmement important. Les indicateurs ont montré que Tomboronkoto, il y a quelques années, le taux d'abandon et le taux, n'est-ce pas, de succès était quand même alarmant. Nous avons la responsabilité, nous tous, en tant qu'opérateurs économiques dans la zone, d'accompagner l'éducation. C'est pour cela que Pétrole a initié beaucoup d'actions, beaucoup de programmes, dont l'un, c'est effectivement le défi des écoles entrepreneurs. En collaboration avec l'ONG Teach Manufit. Le programme s'appelle le défi des écoles entrepreneurs. Dans la commune de Tomboronkoto, le programme défi des écoles entrepreneurs intervient dans le lycée de Mako, le lycée de Tomboronkoto, les écoles élémentaires de Tambanoumouya, Sinaketa de Mako et Bantandi Sadiakou de Niemeneke. La première session, il y a eu des éléments de réussite, il y a eu quand même des éléments qu'on peut apprendre. C'est la deuxième fois que nous livrons une formation similaire. Et en 2021, nous avons aussi donné une même formation, mais c'était là dans les conditions difficiles avec le virus corona qui envahissait le monde. Et mais cette fois-ci, nous sommes revenus encore une fois pour continuer là où on était. Pour mieux rebondir et réussir, n'est-ce pas, cette deuxième édition-là. Dans ce programme, tout est articulé autour de l'initiation à l'entrepreneuriat. Si nous nous exerçons à faire l'exégèse de cette phrase-là, on aurait tout compris. Tout compris l'esprit que signifie effectivement derrière, n'est-ce pas, qui casse. Apprendre à pêcher. Le contenu est assez riche parce que pêcher, il ne s'agit pas seulement d'aller chercher du poisson dans l'eau. Tout ce qu'on cherche, on est en train de pêcher. L'objectif, ce n'est pas de former un entrepreneur aujourd'hui, tout de suite. L'objectif principal, c'est d'inculquer l'esprit entrepreneurial aux élèves, les futurs dirigeants de ce pays. Il ne faut pas que l'on perde de vue cet objectif général. Le niveau de satisfaction des enseignants appelés à dérouler ce programme dans les différents établissements scolaires est un signe d'engagement pour l'atteinte des résultats escomptés. Je voudrais donc féliciter PMC, Resolute et Monsieur le formateur pour l'excellente idée qu'ils ont eue à nous apprendre l'entrepreneuriat. Non seulement les élèves vont en bénéficier, mais c'est également nous, corps enseignants également. C'est des formations qui, quand vous allez dans certains pays comme le Japon, comme la Chine, c'est vous qui payez votre formation. Mais ici, on nous fait venir, on nous paye, on nous forme. C'est une grande chance. Mes remerciements vont au PMC pour avoir pensé à ce programme-là qui permettra à nos élèves, dès le bas âge, de choisir ce qu'ils doivent faire. L'État ne peut pas recruter tout le monde. L'État ne peut pas recruter tout le monde. Mais ces genres de formations nous permettent, dès le bas âge, de comprendre que nous pouvons partir de nous-mêmes sans compter sur l'État. L'État viendra en appoint seulement. Donc tout le monde ne peut pas travailler dans l'administration. C'est un complément très important à nos activités d'apprentissage que nous déroulons dans nos écoles. Nous sommes très contents et nous sommes encore heureux et nous leur demandons toujours de continuer à nous soutenir dans toutes nos activités. Et je pense que ce programme fera tache d'huile non seulement au niveau de la commune de Tomboronkoto, mais aussi de la région, mais particulièrement pour les écoles qui sont présentement impliquées. Toutefois, cet engagement des enseignants doit se traduire en comportement entrepreneurial concret chez les apprenants et les jeunes du terroir. Nous tous, nous investissons notre temps en essayant de trouver des solutions aux défis que vous avez. Donc, nous vous présentons un défi, mais nous aussi, nous avons le défi
Donc, vous nous assurez que vous avez ce que vous avez besoin pour continuer le programme. Je vais repartir, mais à part les billets des personnels de PMC, nous restons ensemble. Nous restons ensemble, vous allez avoir des outils, vous allez avoir des appuis, et ce que vous avez demandé comme les choses qu'il faut améliorer, nous allons veiller à ce qu'on fasse encore plus mieux. Si les jeunes de la localité veulent demain avoir beaucoup plus de chances à travailler dans le secteur minier, il faut qu'ils choisissent des métiers en conséquence qui peuvent leur donner beaucoup plus, n'est-ce pas, de chance. Il va falloir que nous accompagnions nos jeunes frères dans l'orientation, n'est-ce pas, de choisir le futur métier. C'est extrêmement important. Et ce défi des écoles entrepreneurs extrêmement important, avoir un diplôme, sortir et demain ne compter que sur la fonction publique pour travailler, je crois que ce serait un échec. La présence des PMC comme partenaire doit être une source de motivation supplémentaire pour les différents acteurs. Vous exprimez toute ma satisfaction à la suite de la mise en œuvre de ce programme, mais aussi de ces 3 jours de formation au bénéfice des acteurs de l'éducation que vous êtes. Nous avons des partenaires engagés à nous accompagner dans ce sens-là. PMC ne dort pas, ils sont là en train d'accompagner les gens. Donc on va capitaliser ce qu'on nous apprend. Toute formation doit être bien maîtrisée, parce que demain ça va vous servir, c'est transversal, ça va nous servir dans la vie. C'est aussi un devoir pour nous d'amener d'autres partenaires à s'engager à nous accompagner dans ce sens. Avec l'entrepreneuriat, les jeunes de la localité ont beaucoup à gagner de la présence des sociétés minières dans la région de Kédougou. La mine, c'est des opportunités, c'est des emplois directs, c'est des emplois indirects, c'est des affaires autour et qui sont beaucoup même plus importantes que travailler, n'est-ce pas, dans la mine. Je connais actuellement des personnes qui font leur business et qui ne souhaiteraient jamais travailler dans la mine parce qu'ils gagnent bien leur vie. Mais il faudra être imaginatif, tout simplement. Donc, je voudrais vraiment lancer ce cri de cœur pour moi à l'endroit, n'est-ce pas, de tout le monde. Il faut que nous véhiculons cela auprès de nos enfants, auprès de nos jeunes frères, pour qu'ils puissent davantage s'orienter au métier que demain, qui puisse leur donner beaucoup plus de chances à pouvoir travailler dans les mines. La société Petrol Mining Company, initiatrice du défi des écoles entrepreneurs, peut se réjouir de la volonté affichée des enseignants bénéficiaires de ce programme à faire des résultats. Nous remercions aussi le formateur qui, pendant ces 3 jours, nous a donné des explications claires. On est assez outillés pour dérouler les formations avec les élèves. Donc je crois que si vous retournez dans vos différentes écoles ou établissements, il faudra donc dès à présent commencer le travail. Et nous vous demandons véritablement de redoubler d'efforts. Ils nous ont lancé des défis à nous maintenant de pouvoir véritablement réussir. Chers enseignants, je crois que la balle est dans notre camp. Je vous souhaite du courage, ce n'est pas facile, mais dans ce monde-ci, rien n'est facile. Il faut s'investir, il faut travailler, et une fois que vous avez déjà maîtrisé et que l'environnement scolaire connaisse ce qu'il faut faire, vous allez voir que les choses vont encore plus à l'aise. L'inspection de l'éducation et de la formation se réjouit vivement de cet atelier-là. Nous allons travailler avec vous à chaque fois que vous avez besoin. Nous sommes prêts à vous accompagner, nous sommes prêts à être à vos côtés pour véritablement la réussite de ces enfants-là, qui demain seront les leaders de ce pays-là. La société Petrol Mining Company a réitéré son engagement à continuer à soutenir le secteur éducation. Et nous ne cesserons d'accompagner l'éducation, n'est-ce pas, des jeunes, parce que c'est les adultes de demain, c'est ces jeunes-là qui, demain, qui assureront la continuité, n'est-ce pas, de ce pays-là. Programme Tomboronkoto, biodiversité, qui a un volet extrêmement important d'éducation environnementale. Ça aussi, nous allons travailler avec, n'est-ce pas, les écoles, n'est-ce pas, et les établissements. Extrêmement important. Si nous voulons demain avoir un développement durable, la conservation de l'environnement est un défi. Et nous allons marquer notre contribution par rapport à ces aspects-là.